Le nouveau président de l'Assemblée nationale sera connu le 18 février prochain, date d'ouverture de la session ordinaire de cette institution. Les députés effectueront un vote secret pour élire leur président, un président issu du groupement politique obtenant plus de la moitié des voix. À part la primature, le MAPAR sera aussi dans la course. Nous avons beaucoup d'espoir et cela grâce aux indépendants qui ont déjà manifesté leur intention de nous soutenir. Nous sommes déjà majoritaires à l'Assemblée nationale avec tous ces indépendants. La présidence de l'Assemblée nationale fait donc l'objet de toute convoitise, un poste stratégique dans la mesure où il renforce les pouvoirs du Premier ministre. Le VPM MMM de Hazan de Narville annonce qu'il sera aussi dans la course. Les tractations vont débuter d'ici la semaine prochaine. Nous avons la personne qui a le profil d'un président de l'Assemblée nationale. Cela dépend surtout des discussions avec les groupements politiques. Nous allons bientôt nous réunir pour discuter justement de cette affaire. Et vous saurez bientôt si oui ou non nous allons avancer un candidat ou si nous allons collaborer avec d'autres groupements politiques dans cette course à la présidence de l'Assemblée nationale. Quant aux membres du bureau permanent, ils seront connus dans moins de 5 jours après l'élection du nouveau président de la Chambre basse. Leur effectif est fixé par le règlement intérieur de cette institution.